Marie-Charlotte est un être sensible. C'est aussi la fille du directeur, ce qui bien entendu en fait la cible des médisants et des calomniateurs. Marie-Charlotte a l'âme d'une artiste, c'est un esprit sombre et baudelairien. Son air est grave et son visage est triste, bien qu'elle n'ait jamais manqué de rien. Pauvre Marie-Charlotte, qui souffre, qui sanglote, et qu'on ne comprend pas. Pauvre fille à papa. Longues lettres, mais ne sait pas à qui les envoyer. Car qui peut bien comprendre ce mal-être que ne ressent pas le simple employé. Marie-Charlotte n'est pas comme nous autres. Ça, non. Ses silences sont autant de mystères. Elle a ses soucis. Nous avons les nôtres, qui sont, c'est vrai, beaucoup plus terre à terre. Pauvre Marie-Charlotte, qui souffre, qui sanglote, et qu'on ne comprend pas. Pauvre fille à papa. Marie-Charlotte est lasse de souffrir. Elle énumère enfin la longue liste de ses névroses afin de les guérir. Sur le divan de son psychanalyste, Marie-Charlotte a tant de peine en elle. Elle n'a jamais connu de sa vie l'insouciance du petit personnel qu'elle évoque souvent avec envie. Pauvre Marie-Charlotte, qui souffre et qui sanglote, et qu'on ne comprend pas. Pauvre fille à papa. Pauvre Marie-Charlotte, qui souffre, qui sanglote, et qu'on ne comprend pas. Pauvre fille à papa. Pauvre fille à papa.